aujourd'hui, je vais faire le maquillage de Loïc Notet pour son court-métrage Candy, qui sort aujourd'hui même. Mais avant de commencer, je vais me changer. Tada! Bon, je n'ai pas le costume de Loïc Notet, mais au moins je reste dans la même gamme de couleurs. Allez, c'est parti! La première chose à faire, dégager le visage. Hop! Des petites pinces pour les mèches rebelles. Alors moi je vais faire l'ensemble du visage en blanc, comme Loïc. Mais j'ai du fard à l'eau, donc je vais faire avec ça. Petite astuce, pour ceux qui utilisent du fard à l'eau, prenez un spray d'eau à pulvériser dessus. Ça évite d'avoir trop d'eau sur l'éponge et que ça coule de partout. Astuce supplémentaire, avec le maquillage à l'eau et une éponge, ne frottez pas. Si vous voulez avoir quelque chose d'uniforme, il vaut mieux tapoter. Bon, ici, c'est pas la peine de passer sur les sourcils parce que ce sera dans une autre couleur. Passez bien autour des ailes du nez. Là, pour le moment, on essaie de ressembler à un cadavre. Pensez à bien aller jusqu'à la base des cheveux, quitte à prendre une bonne douche après. Encore un petit pchit-pchit. Pchit-pchit-pchit-pchit. Continuez bien un peu jusque dans le cou, sinon ça fera une trace trop nette au niveau du menton. Et n'oubliez pas les oreilles. Voilà. Si vous avez du maquillage gras aussi, ça marche très bien. Du maquillage de clown. Moi, je vais aller avec les moyens du bord. On commence à être pas mal là. Tac. Voilà, on repasse un petit coup. Ensuite, le maquillage de Loïc, il a une ligne jaune qui part d'une oreille à l'autre. Vous pouvez le faire au fard à l'eau, mais moi je vais tenter ça au fard gras. Pour tout ce qui est grimage, les pinceaux de peinture, ça fonctionne très bien aussi. Je trace d'abord la ligne une première fois
et après je l'accentue. Un petit peu bizarre comme moustache. Alors, une fois que ça c'est fait, on va passer aux yeux. Donc, ça part d'à peu près ici jusque très proche de la ligne ici. Pareil, je continue au fard gras. Pour les maquillages de grimage, utilisez toujours les fards gras par-dessus les fards à l'eau. Sinon, ça ne tient pas. Ah oui, autre petit conseil, surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, commencez par le côté où vous galérez le plus, parce que comme ça, vous arriverez mieux à égaliser sur le deuxième côté ensuite. Jusque là, ici, tac tac. C'est pas la peine de faire plus parce qu'on va rajouter du noir au niveau des yeux. Je continue avec du fard gras, comme ça sera bien intense. Je re-regarde bien. Il a un peu de crayon noir dans la muqueuse. On continue. Un pinceau pour estomper. Voilà, et pour intensifier tout ça, je rajoute encore un peu de noir. Mais pas mal là. Il y a plus qu'à faire la bouche. Loïc, il a un rouge un peu rosé. On va essayer avec celui-là. Ouais, ça le fait. Pas besoin d'être très précis parce qu'après on va étaler.
Ensuite, on estompe légèrement sur les côtés. J'accentue un tout petit peu plus que sur celui de Loïc. Comme ça, encore plus clown. Maintenant, plus qu'à me détacher les cheveux. Et on fait du fouillis de cheveux pour faire un côté rebelle. Le premier court-métrage de Loïc Notet sort aujourd'hui même sur RTL TVI et j'ai trop hâte de le voir. Je suis trop contente pour lui parce que c'est son tout premier court-métrage. Enfin, il fait tout le temps un boulot magnifique et je suis sûre que je vais adorer. Je fais confiance pour ça, il y a pas moyen quoi. Il m'a jamais déçu jusqu'à maintenant. Bref, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ciao.